YouTube et bienvenue pour cette petite épisode rediff truc muche de Twitch. Nous sommes en live en ce moment pour le challenge des 7 bambins. Nous avons déjà joué 2 journées compliquées avec ces marmots et avec Francine Dugroin qui est la maman et tous les gamins. Nous allons passer au jour 3. On commence déjà bien parce que nous avons Lilith hein, qui est venue à la porte en se disant ça sent le sang frais là. Sauf que bon, si elle rentre, ce sera pas pour les bambinouches, hein, ce sera pour maman. Bah écoutez. Ah, mais je pensais qu'ils étaient tous au lit, moi. Non, c'est bon, ils vont dormir. Ah, je veux dire, il est quand même tôt, hein. J'ai pas très envie qu'ils. Hein. Ah, allez, c'est parti de maison. Si, ça va. Si. Je me souviens que je les avais tous couchés avec difficulté. Ah, c'est bien, ça commence, on est zen. Regardez-moi, ça dort, profitez-en. À ce propos. Mon petit YouTube, est-ce que vous avez vu ma vidéo des 7 bébés? Oui, bébé, pas bambin. Je vous la conseille. Et si j'oublie pas, je le mettrai dans le petit i. Parce que ça, je pense que c'est 10 fois pire que les 7 bambins. Alors, quand tu vois toutes les fumées vertes qui se baladent... Ah! Nous avons Michel Labière qui se réveille. Oh là là, Michel! Michel! Et elle peut pas aller sur le pot. Évidemment, c'est vraiment pas cool. Apprendre à aller sur le pot à Michel, ouais! Allez, vas-y, Francine! Eh ben, c'est trop tard. Voilà, ça commence bien. Elle a pas bougé d'iota! C'est pas possible! Mais c'est pas possible, ça! Apprendre à aller sur le pot! Je te demande de lui apprendre le pot! Parce que. Elle a encore quelque chose à faire, c'est pour ça. Et en plus, cette gamine, elle ose dire non. Mais tu la prends, tu lui fous le groin dedans et puis c'est bon, non? Elle a qu'à apprendre. Hein bon, mais dis donc. Bon, allez, tu vas aller pisser parce que je pense que t'as besoin. Et après, tu vas préparer le petit déjeuner. Des oubrouillés avec du bacon parce que t'as les monstres qui vont se bouffer l'estomac. Au moins, pendant ce temps-là, elle apprend. Peut-être, je sais plus. Ah, elle est pas encore au niveau 2. Hein. Alors, qui c'est qui est au niveau 2? Lui, il est au niveau 2. Niveau 1, mais Emilion, laisse tomber, niveau 1, niveau 2, eh ben, Pâté, il est indépendant, je savais plus, oh, Okadi, ah oui, lui c'est le pire, non c'est Okadi le pire dans le pot, non parce qu'après ça peut aller pour les gérer, mais tant qu'ils ont pas pris le pot, c'est très complexe. J'ai entendu un prout, notre Michel Labière a fait caca. Et elle est visiblement très contente d'avoir chié. Allez, viens ici, viens jouer dans la... Là, au lieu de te faire taper ta crise. Viens jouer ici, après tu manges. Promis, juré, craché, ravalé. T'as l'air d'être une cuisinière en or, ma petite Francine. Tu sais quoi, tu peux regarder la télé. Tu peux prendre du temps pour toi, ma petite. Puis elle, par contre, elle a pas fini sa nuit, hein. Ça va être tendu, hein. Mais mange, toi! Mais pourquoi tu manges pas? Oh, voilà, Emilion! Emilion! Du gâton! Il est trop mignon, Emilion. Tout riquinou qu'il est. Avec les yeux de papa. Mais pourquoi il mange pas? Mais... I don't understand. Ouais, laisse la télé pour les gamins, comme ça les occupera. Et puis toi, tu fais le ménage. L'autre, il mange par terre. Et après, est-ce qu'on a des enfants? Toi, tu vas venir manger aussi. Voilà. Toi, tu vas venir manger aussi. Pâté a très faim. Bah, Pâté, il vient manger. C'est pas compliqué. Oh là là, on va commencer à tous l'élever, ça va être terrible. Ça va être terrible. Bon, lui... C'est qui? C'est lequel? C'est Okadi. Okadi, Okada. Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu peux pas bouger. Bah ouais, mais il y a pas de passe dans cette maison en fait. Alors, Emilion. Emilion, il peut pas aller sur le pot. Ok, alors aide-moi à aller sur le pot, maman. Voilà, comme ça t'auras une utilité à ta vie, ma petite Francine. Et c'est lui qui demande, comme ça c'est mieux. Ça fait que... Oh là là! Oh la petite Dakota! Oh Dakota, ma cocotte! Bah déjà, pourquoi tu vas pas manger hein? Je t'ai levé la première pour que t'ailles bouffer. Donc, il y en a un qui va faire caca. Tu vas te lever pour aller regarder ton frère.
On repasse dans l'épisode du je vais mater mes frères et sœurs qui font caca parce que c'est ma passion, tout ça. Toi, viens aussi amical, regardez. Ils sont tous buggés. Toi, t'as mangé mon chaton. Essaye d'aller sur le pot. Bah oui, mon petit pâté. Mon petit pâté de sucre. T'as regardé ton frère, c'est bon? T'as maté? T'as trouvé ça intéressant? Toi, tu devrais... tu vas arrêter. Voilà, je devrais même pas mettre... tiens, je vais me forcer le truc. Alors, lui... Non. Dakota, elle bouffe. Dakota, elle pue. Lui, il fait caca. Elle, ça va. La blonde, c'est pas que je vais être méchante, mais... Elle est quand même pas de fut-fut, celle-ci. Toi, tu vas aller manger aussi. Normalement, il y a assez pour tout le monde, là. Il y a une assiette qui se balade et tout. Et lui, lui, il va aller faire caca. C'est merveilleux. Dakota a fini. C'est génial. Ben, voilà. Dakota, c'est la plus crade. Elle passe en proms. Comme ça, elle va tout qui va remonter. La tension et l'hygiène. Regardez ces enfants, comme ils vont tous bien. C'est assez rare, hein. La blonde, t'es assez grande pour aller chier toute seule, hein, ma cocotte. Hein. Lui, il mange. C'est bon. Pâté. Pâté veut un bain. Bain de pâté. Dakota est toute choupette. Mignonnette. Cacahuète. Bon, elle a pas l'attention qu'à remonter non plus très fort. Tu vas faire un bain, s'il te plaît. Ah là là, mais ils ont des problèmes. Cette maison, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que tu fous? Viens là, Jaco. Ah, tu peux pas. T'es sérieux? Là. Tu vas là. Ok. Ils sont encore coincés dans la salle de bain, tu vas voir. Ok, ça commence à bien faire, cette histoire. Voilà, il va plus avoir de... Hein, de problème. A plus de problème. Voilà, il a plus de porte, a plus de problème. Oui, bah c'est bien ça. Oui, c'est bien, c'est bien. Ça commence à me pomper l'air. J'avais déjà ce problème-là la dernière fois. Il n'y a plus de porte, il n'y a plus de mur, il n'y a plus de problème. Ensuite, c'est elle. Allez, tournez des bains. Tournez des bains. Pâté. Digérez, pâté. Tu vas aller discuter avec ton frère. Voilà, à faire des grimaces. J'ai l'impression qu'ils sont tous partis dans la piscine. Ah ouais, c'est ça. Oh la vache, ils font des conneries et tout. Ils font des... Cette piscine, c'est un investissement, mais c'est un bon rendement. Hein. Les gamins, ils s'en occupent bien. Oula. Quoi? Ça fait peur. Oula. Elle arrive quand même à se fusionner avec la pelouse. Ça, c'est quand même incroyable. Vous n'aurez vu qu'ici. L'enfant qui fusionnait avec la pelouse. Aïe, pâté et Émilion. Ouais, ça fait un bon petit déj, ça. Hein? Du pâté et du Saint-Émilion. Ça fait un bon repas, moi, je dis. Chacun son truc, après. Mais... Ah, ma cocotte, va faire ta sieste, parce qu'en vrai, je pense que là, ils sont pas trop mal, les gamins. Michel va devoir refaire caca. Michel va refaire caca. Ou pipi, elle fait ce qu'elle veut, je m'en fous. Elle a besoin d'attention, elle va aller discuter avec tout le monde, là. Ah merde, il y en a un qui pue. C'est qui pue? C'est Mylène, j'avais oublié son qui s'appelait comme ça. C'est Mylène Farmer qui a dit qui pue. Alors maman, on se repose. Tant bien que mal. Il est 15h. Et nous avons... C'est qui déjà qui pue? C'est... Elle est toujours pas... La vache, elle a mis 10 ans. Depuis tout à l'heure, elle marche, elle est pas arrivée au pot. Ouais, B. Émilion. Ah, c'est Mylène qui pue. Eddie, te fais un câlin, t'es gentil. Non, mais dis. Quel tuck, ce Mylène Farmer. Qu'est-ce qu'il a? Non, tu vas pas faire. Oh non. Mon chaton, tu vas ni mordre ta soeur ni rien du tout. Tu vas être sympa. Oh les gueules. Mais Okadi, il est tellement gros. Oh la vache. Il a doublé de volume, ce pauvre gamin. Pauvre enfant. Mais. Attends, t'étais où? Va donner un bain à Mylène. Je sais. Ah d'accord. Mylène, c'est lequel? C'est celui-là.
Mylène, pourquoi ça marche pas? Ben. Michel, bouge ton chelon. Viens regarder la télé. De toute façon, la télé, à la limite, depuis tout à l'heure. Hein. Ah oui, je vais un bain, maman. Oh non! Elle s'est chiée dessus! Elle s'est chiée dessus, elle a juste fait un prout. Tu vas coucher Pâté? Ah oui, Pâté, il est fatigué. Bah, il n'y a qu'à y aller lui-même, moi. Oh. Qu'est-ce qu'elle va me faire? Prendre dans les bras. Non, laissez tranquille. Fais quoi? Tu vas faire à manger? Tu vas faire à manger? Tu vas faire à manger? Du nonigiri, ça c'est le pas. Non, mais laisse-les tranquilles. Francine! J'ai dit non. Ils iront se coucher eux-mêmes. Oh la vache. C'est le bordel. Voilà, regarde, ils sont tous fatigués, ils vont aller se coucher. Ou presque. Bon, qui va pas bien? Dakota! Dakota! Caca! Ah, quel peupou. Est-ce qu'il n'y en a pas un d'indépendant qui veut aller aux toilettes, là? Tiens, bah toi, t'y vas. Oh, lui, il est crevé. Non, bah elle, non. Là. Pourquoi j'ai dit lui? Ouais, un petit peu. Non. Et Pâté. Pâté, t'es indépendant. Pâté, caca. Bah, non, elle est que là. Eh ben, on a le temps, tiens. Ils auront fini le temps qu'elle arrive. Mylène, il y est. Lui, il est crevé. Elle sait le faire. Toi, tu sais faire. Toi, tu sais pas faire. Alors, viens observer ton frère. Regardez Pâté. Et regardez Mylène. Elle a fait son ménage. Oh là là. Elle a fait son ménage. Elle a fait sa bouffe. Tu vas faire le ménage. Tu vas aller aux toilettes. Tu vas te prendre une douche. C'est horrible. Elle a le temps de rien. Elle a le temps de rien. Elle est pire que moi. Bon après, j'ai pas assez de bambins. Je pense qu'au bout d'une journée, il n'y aurait plus un seul. Bah, il y en a qu'un qui est sorti dormir. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Pourquoi elle pique sa crise? Détruire la maison de poupée. On a une maison de poupée? Ah oui, là. Ah, tu vas la réparer comme ça, les gamins, ils iront... Mais pourquoi t'es énervée, toi, en fait, Janine? Va discuter avec tes frères et sœurs, en fait. Je sais pas. Non, mais elle est sérieuse, elle? Il y a que maintenant qu'elle arrive? Ah bah oui, t'as mis tout ce temps pour rien. Mais tu... Toi, tu sais faire... Oh non! Mais elle veut se faire caca dessus! Si près du but! Allez, la petite blonde, c'est qui déjà? C'est Jessie, c'est vrai. C'est Jessie. Ouais, c'est bien Jessie. Va faire ton truc et Dakota va te mater. Ah là 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 là. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est une flaque d'eau. Ah, allez, hop, regardez Jessie. Lui, il va regarder Jessie aussi, parce que c'est tellement fascinant. C'est fou, j'ai l'impression de faire que ça. Les gamins, ils font que mater les autres en train de... Oh, chier. Ah non, toi, tu fais pas ça. Non, il y a à manger, Pâté. Manger, Pâté. Allez, t'es sur le point de finir ton apprentissage du pot. Non, toi aussi, retourne-y. Oh là là, on va y arriver. Oui, Dakota, niveau 2. Dakota peut aller faire caca. Bon, elle a plus besoin d'y aller, mais... Laisse-le tranquille, il a faim, ton fils. Ah, laisse-le. Ah, t'as fait tout ce que tu voulais? Bah, regarde la télé. Détends-toi le gland. Aïe, 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 regarde la chaîne actuelle. Laisse ton fils. Regarde, le pauvre, tu vas le traumatiser, il a faim. Aïe, 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 c'est pas possible. Toi, tu manges? Ok. Toi, tu manges? Ok. Toi, tu manges? Ok. Toi, tu manges? Ok. Toi, tu vas manger? Toi, bah tu vas manger aussi parce que tu commences à... Après, c'est bon. Ça... Ah, et lui, il mange. Ok. Allez, c'est bon. C'est l'heure de la bouffe. Ouh, zen. Toi, après, tu feras le ménage. Ah, merde! Qui? Qui? Quoi? Ah! C'est Pâté. Pâté est tombé au combat. Il n'a pas su manger son onigiri. Pâté s'en est allé alors qu'il reposait par terre, les fesses à l'air.
pour se relever et puis pour manger. À deux pas de la délivrance, de ce doux parfum. Mais en plus, il va même pas bouffer, cet idiot. De ce doux parfum de riz. Non, mais le mec, le gamin, il tombe de sommeil par terre, à même le sol. Et il est là. Oh non, bah je vais aller, poupée, moi, dit. Hey, oh. Et hop, tout se lit, là. Cassez-vous. Il y a Mylène qui est déjà... C'est quoi? Attends. Ah. Elle va pas pouvoir aller les tous les coucher et tous faire une histoire, c'est pas possible, il y en a 7. Oh, Emilion, il joue au cube. Emilion, faut que tu manges, mon chaton. Il reste une assiette, c'est la tienne. Alors, nous avons des enfants qui vont se coucher. Tu vas border Dakota. Il y en a un qui tape une crise quelque part. Tu vas border. Border Michel. C'est Emilion qui tape sa crise. Hé hey, tu arrêtes avec ta crise. Non mais dis donc. Tu vas finir... Hein. Bon. J'ai plus de répartie. Qui est parti se coucher encore par la personne? Emilion, il faut qu'il bouffe. Je pense qu'il va... Il va tomber dans les pommes avant. Non, toi. Tu vas te coucher, Jessie. Allez hop. Là. Toi. Lui, il y va. Et lui, épaté, tu vas aller là, tiens. Ah bah elle est contente maintenant elle. Elle se dit ah ça y est les gosses, ils vont pas enfin se coucher, on va pouvoir se marrer. Elle va faire des bisous à tout le monde. Non, au caddie. Au caddie. Au cada. Et au caddie, il pue. On saura ce qu'il faudra faire dès demain matin. Elle en peut plus, Francine. Emilion, il va partir comme un con. Dormir dans son petit lit. Ti-ti-ti-ti-ti. Et hop, tu vas border ce truc là aussi. Hop. Après, je sais pas si border, ça fait vraiment quelque chose. Mais je me dis que c'est mieux que rien faire. En fait, ça, j'ai mis, mais ça sert à rien. Attendez, vous savez ce que je vais faire? Clac! Ah, plus de problème. Tu vois, Emilion, il va faire dodo. Tu vas pouvoir lui faire un bisou. Savourons ce moment de calme. Oh, elle est mignonne. Elle chante en plus. Hé, hey, on va nettoyer un peu les peaux, parce que... Je sais qu'elle est fatiguée. D'accord, ok, très bien, je vais le faire à ta place. Bon, je m'en fiche, hein, ça nous fait gagner 86 fous à chaque fois. Hein. Et allez, Dakota. Elle m'a trop tard. Dakota, qu'est-ce que tu fais? Tu as donc réveillé ton frère. Tu vas la coucher et mettre Bambin au lit, Dakota. Allez, et toi, tu retournes... Maintenant, t'as... qu'est-ce que t'as? T'as fait un cauchemar. C'est les ennuis qui commencent. Hein. Quand ils veulent pas se coucher... C'est la marde! Voilà, allez retourner se coucher. Là, tu vas te coucher lui. Et après, tu vas te coucher toi. On croise les doigts qu'il n'y en a aucun des autres qui se réveille pendant ce temps-là. Et je vais jeter les ordures. Allez, Francine! 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 Mylène vient donner un bonnet. Va te coucher vite, 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 avant que quelqu'un d'autre se réveille. Ce serait vraiment pas de bol. Allez, 2h du matin. Elle vit sur le même horaire que moi. Une journée de plus dans cet enfer. Bah écoutez, ils survivent. Pour l'instant, on n'est pas encore prêt pour le pot, que tout le monde ait le pot. Mais c'est moins catastrophique que ce que je pensais. Hein. C'est moins catastrophique. Et bah écoutez, on se retrouve pour le prochain épisode. En tout cas, YouTube, je vous fais des bisous. Voilà. Prochain épisode, toujours 7 bambins. Pas un de plus, pas un de moins. Ciao!